Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pardo. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait à Marly Gaumont, y'a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. Trois jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux une seule famille de noirs, fallait que ce soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar, j'ai dit à mon père, on aurait pu les s'installer à Moscou, non? On aurait pas trop été dépaysé par la température ni par les gens. Il m'a répondu, hé, mais comment ça, mais tu te moques de moi, toi, ça va aller, hein, tu parles. J'avais 6 ans, premier jour d'école, et ben j'ai chialé à cause des petits cons là-bas, tu sais comment il m'appelait? Eh mon boulot, eh pépito, eh mon boulot, eh loi rodé. Dans la bouche des enfants, réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pas durs. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pas durs. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. À Marly Gaumont, les gens y